Premier gala de l'AGIC, nous avons un invité très spécial à vous présenter. Il vient tout juste d'arriver au Lion d'Or. Son hélicoptère est parqué en double sur Ontario. Mesdames et messieurs, le patron de Québecor, M. Pierre-Carl Péladeau. Silence, ou je fais locoter la salle. Mesdames, messieurs de toutes les conditions sociales, bonsoir. Je me présente, Pierre-Carl Péladeau, patron et grand vizir de Québécois. Mes amis peuvent m'appeler PKP, mais je tiens à ce que mes employés, c'est-à-dire le reste du monde, m'appellent Citizen Carl. Une coquetterie de ma part. Alors, amusante petite soirée, je vois pas personne de rue Frontenac qui s'est asseoir. Hein? T'es dans la rue Frontenac? Mais reste-y, esti. Ah! Ami journaliste, auteur, écrivain, Jean de la Plume. Un bon salaire, la sécurité d'emploi, de bonnes conditions de travail sont autant de freins à l'expression de votre créativité qui a besoin de privation pour s'épanouir. Vous le savez, ventre affamé n'a pas d'oreille, mais il y a une crise de bonne plume, par exemple. Et quand l'huissier part avec votre TV, votre écriture devient tout à coup meilleure. Et tous les auteurs savent qu'il vaut mieux être exploité qu'ignoré. Le poète l'a dit, vous n'êtes grand que lorsque vous êtes à genoux. Et j'aimerais vous informer que la crise des médias que nous traversons actuellement nous forcera à faire encore plus de sacrifices. Ben là, pour moi, là, vous autres. Par exemple, journal La Presse, journal en santé financière quand même, La Presse a coupé tous ses pigistes, s'apprête même à cesser sa publication le dimanche. Je gagerais qu'ils vont bientôt publier une seule grosse presse par année remplie d'articles de Patrick Lagacé et ses chroniques, ça va faire pareil. Sachez aussi qu'à l'avenir, tous les articles devront faire moins de 140 caractères, question de rentrer sur Twitter. Et vous devrez donc apprendre à être plus flexible, car le marché, lui, ne l'est pas. Les médias traditionnels sont aux prises avec un problème de coût fixe, les salaires. Vous êtes donc la cause et la solution à tous nos problèmes. Car en effet, les pigistes ne représentant pas un coût fixe, nous pouvons les mettre en compétition et en équilibre sur le fil de presse, sans filet social et au plus fort la pige. Car rappelez-vous, un bon journaliste indépendant doit l'être d'esprit, mais aussi de fortune, ça aide. Certains s'en sortent plutôt bien. Récemment, moi-même, j'en ai rencontré un qui avait une auto. Propre, hein? Une maison, un chalet, un bateau, un REER bien garni, puis des vacances. J'ai dit, hey, c'est payant la pige. Il dit, non, maintenant je suis éditeur de magazine. Ah! Comme quoi la pige mène à tout, à condition d'être pigé et de voir son travail repris dans les journaux, à la radio, sur le câble, sur le web, sur iPhone, sur Twitter, sur toutes les multiplateformes possibles et imaginables, maintenant et à venir pour des siècles, et ce, sans aucun frais de votre part. Et j'ai pour mon dire, oui, qu'un pigiste pigé doit s'estimer chanceux. Car, en tant que propriétaire, toujours le fun de le rappeler, en tant que propriétaire du réseau TVA, LCN, Canal Vox, Évasion, Sun TV, Man TV, Mystery, Mystère, Argent, Prise 2, Indigo, Vidéotron, Archambault, Musicor, Select, Illico, Netgraf, Nourun, Canoë, Os, Prémédia, Médiapage, TVA Film, Séjour, Clin d'œil, Cool, Côté Jardin d'ici d'ailleurs, Décoration chez soi, Dernière heure, Éco-Vedette, Femme d'aujourd'hui, Femme plus, Fille d'aujourd'hui, Le Guide Internet, Le Lundi, Les idées de ma maison, Les publications TVA, Plan de maison du Québec, Publicor, Rénovation, Bricolage, Star Inc, TV Hebdo, Le Ici! Oh, non, il est plus là. Non, si. Propicioli, qui s'y paye mal ses collaborateurs, on y paye plus. Bon!
The Mirror, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le London Free Press, le Calgary Sun, le Edmonton Sun, le Ottawa Sun, le Toronto Sun, le Winnipeg Sun, Northern, Eastern, Western, puis Pan American, mais je sais plus où je suis rendu. 180 journaux régionaux dont j'oublie le nom, une douzaine de maisons d'édition qui publient plus de 800 titres par an, des imprimeries, des papetières, des forêts publiques, j'en passe, c'est les meilleurs! Jure qu'il serait hasardeux de mordre la main qui vous publie. Et c'est pas fini et ce n'est qu'un début. Car mon empire et moi-même allons bientôt réaliser la synergie convergente totale de toutes! Je m'y applique dès maintenant en tentant d'acheter le Canadien de Montréal. Sacrement! Sacrement! Guy n'aurait pu attendre deux semaines avant de nommer le coach. Voyons, que je vais dire à Julie? Qu'est-ce que c'est, chérie, ça sera pas toi le coach? Ah! Intégrer le Canadien de Montréal dans mon empire est la meilleure chose qui pourrait vous arriver. Imaginez, les games du Canadien vont avoir la même couverture que Star Academy. Donc, une défaite humiliante deviendra une victoire mémorable le lendemain. Ce serait formidable. Hostie, je vais l'avoir. Hostie, je vais l'avoir. Puis quand le Centre Bell va être ma bébelle, peux-tu rire que je m'en vais te débolter ces quatre hosties de lettres-là puis les casser dans le fleuve, mettre un gros V dessus. Puis après ça, ça va être l'Impact. Alouette, Céline, René, Jean Coutu, Bombardier, Alcan, puis Rio, puis Tinto, Cascade, Power, la Caisse de dépôt, le beurre, l'argent du beurre, puis le cul de la beurrière, ainsi que tous les bons détaillants suivants, Wilco, Chris Geek, Kmart, Treatment, Walmart, Worldwide, Canadian Tire, et Home Hardware! Je bâtirai un empire sur lequel le cirque du soleil ne se couche jamais! Et un jour, lorsque tous les travailleurs seront tous intégrés dans cette belle synergie multiplateforme globale intégrée de toutes, il n'y aura plus qu'une seule facture pour toutes. Et elle sera prélevée à même votre paye. I am the king of the media. Ou, ça plane pour moi. Comme un agneau dans son igloo.